Bonjour, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette émission, la Team Zouk International. Alors, je te salue déjà, Jean-Marc. Oui, Patrick, oui, bonjour tous les auditeurs du quiz. Patrick, je voudrais, on excuse Michel, parce que Michel va être avec nous, il est souffrant. C'est vrai. Et il sera avec nous à la prochaine émission. Voilà, donc Et on puis excuse Michel. voilà quoi. Et alors, Jean-Marc, nous avons ici deux personnalités. Des Ah ouais. personnes, des personnes, des personnes, on appelle ça des mapipis, des gens qui sont très très lourds. On va commencer, bon, puisque c'est à ma gauche, je vais commencer par la gauche. Monsieur Achille Dabiré, dit Chilbi, qui est au Burkina Faso, donc on va revenir vers lui. Et on a le Et patron Jean-Claude Coindin Grondet. aussi, qui est. On va revenir aussi sur ces deux personnalités. On tenait vraiment à les avoir avec nous dans cette émission, parce que ce sont des personnes qui ont fait de belles choses, qui font de grandes choses. Et qui ont une énorme volonté à défendre leur culture et à défendre ce qu'ils sont aussi. Donc, on aura donc l'occasion de venir et de les cuisiner tranquillement. Alors, Jean-Marc, on va commencer tout de suite en musique. Hein? On va commencer tout de suite en musique. Ben, tu sais, je voudrais vous dire qu'on a choisi maintenant de faire une ouverture grande. Je voudrais remercier notre ami Jean-Claude Condin qui m'a donné cette idée. On a revu l'émission de façon pour pouvoir donner visibilité des clips sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane, sur l'Afrique et la Réunion. Et là, on a choisi sur la Guadeloupe. Bien évidemment, notre ami Christian Ara, qui est notre partenaire de Latine, qui a choisi pour nous Victor Delver. C'est un morceau qui marche super bien en ce moment, qui cartonne. Et je vous demande de regarder ça, et puis après, bon, vous me direz un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça. Ça cartonne en ce moment. Au soleil là, moi décidé, oui, pour que oui, trop longtemps qu'à négliger, vini puis près, senti chalet. Oh, oh. Au soleil là, allez, pour la nous doudou. Au soleil là, doudou, pour effacer douleur. Voilà pour faire sourire, on serait là, doudou, pour oublier chagrin, on serait là. Pas ni business, pas ni tristesse. Moi t'es fini, entre chez moi.
super titre de Victor Delver, ah ouais, avec le titre Tonight qui groove d'une force. C'est un titre vraiment excellent, excellent. Alors, Jean-Marc, alors, je pense que tu vas, je te sens assez chaud là maintenant pour essayer d'arriver à parler de l'une de nos personnalités. Je te laisse donc la parole pour nous présenter. Oui, tu sais, bon, je dis sincèrement, nous sommes très, très contents de ce d'avoir un grand, grand monsieur de l'Afrique. Déjà, je le remercie de nous, d'être notre partenaire, de la chance d'avoir une visibilité sur l'Afrique. Monsieur Chilbi, qui a une télé, Victoire TV, une radio. Et j'aimerais, Chilbi, que tu puisses nous parler un petit peu de la radio. Comment tu as fait pour avoir cette radio? Alors, je pense qu'on a quelques petits soucis. Donc, je ne sais pas si Chilbi, tu as entendu la question. Oui, toi aussi, Chilbi, je pense aussi. Bon, bah, il reste Patrick André et Jean-Claude Coindin qui, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de passer nickel puisque notre ami Jean-Marc aussi a. Alors, donc, moi, je vais basculer sur Jean-Claude carrément. Hein. Donc, Jean-Claude, si ça ne te dérange pas. Donc, Jean-Claude, je te connais quand même depuis assez longtemps. Tu résides à l'île de la Réunion, donc parce que je ne l'avais pas précisé tout à l'heure. Donc, tu résides à l'île de la Réunion et tu es une personnalité importante parce que tu as une télé qui s'appelle Canal Austral. Et cette télé, elle émet en tout cas dans tout l'océan Indien. Et vraiment, ça fait des années que tu œuvres là-dedans. Donc, je vais te laisser te dire quelques mots sur cette télé dont tu es le responsable. Voilà, exactement. En fait, c'est une chaîne de télé qui est un petit peu différente des autres. On est un petit peu décalé par rapport aux autres chaînes de télé, puisque dans l'océan Indien, plus particulièrement ici à l'île de la Réunion, il existe pas mal de chaînes de télé. Nous, on a essayé de se sortir de ce lot-là il y a à peu près 14-15 ans à peu près, absolument, depuis que j'ai racheté la chaîne. D'ailleurs, tu es passé chez nous il y a une dizaine d'années. Oui, c'est pour ça que je te connais assez bien. Et rappelle-toi, on était dans un petit studio au bord de la mer, pied dans l'eau. Oui. Voilà. Absolument. Bon, on a évolué, t'inquiète pas, en 10 ans, on a évolué. Le jour que tu reviendras, tu verras qu'on a bien évolué. En tout cas, Canal Austral est une chaîne trithématique avec la musique en particulier, la cuisine, puisque oui, une grosse thématique cuisine, et puis la culture, dans toute sa globalité. Alors, On a la culture politique, bien entendu, parce qu'ici, là, à La Réunion, les gens aiment bien ce qui est politique. Donc, bien sûr, coup, on a une belle culture politique. Et ça date de pas très longtemps, ça. Hein, on l'a remis au goût du jour. Sinon, on a une culture aussi religieuse, puisque on diffuse chez nous toutes les religions, puisqu'on a du tamoul, c'est-à-dire les Indiens comme Indiens, moi. Voilà. Les musulmans, bien entendu, les catholiques, les évangélistes, les pentecôtistes, La Réunion, les protestants. C'est La Réunion. Alors, Jean-Claude, moi, ce que j'aime dire de La Réunion, c'est que c'est l'île qui regroupe sans problème le vivre ensemble. Effectivement, si tu viens à La Réunion, tu verras qu'il y a une mosquée et puis le bâtiment qui est adjacent, c'est une église. Hein, et ça ne gêne personne. C'est extraordinaire. Hein, et tu fais 100 mètres plus loin, il y a une chapelle indienne. Ouais, donc, du coup, c'est vraiment qui extraordinaire. Qui ça va gêner? Personne, en tout cas, pas moi. Personne. Alors, Jean-Claude, tu m'as parlé d'une cuisine. Alors, on s'est eu hier, tu m'as parlé de votre cuisine quand vous faites vos émissions. Tout ce qui est rougail, tu sais, hein, tu connais ou connais, hein. Moi, j'aime Bougaï saucisse. Donc, ça, c'est l'un de mes plats, entre autres, de La Réunion. Mais votre cuisine, parle-moi de votre cuisine, parce que l'étendue, vraiment, vous avez vraiment investi. Oui, on investit pour éviter de faire une cuisine comme nous autres, puisqu'on a la plus grosse thématique qu'on a chez nous, et celle aussi qui réunit pas mal de personnes, c'est la cuisine chez nous, tous les soirs à 20h, c'est le prime time, où à La Réunion, on reçoit jusqu'à 140 000 personnes tous les soirs qui nous regardent. Donc du coup, on a depuis quelques années, depuis une dizaine d'années de cela, construit une cuisine pour faire nos émissions, et cette cuisine-là, elle s'étend sur 1,5 hectare, avec à peu près 300 mètres carrés de plateforme, mais je signale, à 5 mètres de haut dans les arbres,
Bah oui, parce qu'on ne fait jamais les choses comme les autres, nous. Oui, hein. Non, jamais. En dessous, il y a les chevaux, et puis après, il y a la rivière qui passe. Bref, il faut aller là, sur canalaustral.tv. Oui. Il faut aller voilà. sur canalaustral.tv pour regarder tout ça. Et puis après, on a des invités tous les semaines, le mardi et le vendredi, donc qui viennent chez nous, qui cuisinent, qui veulent envie de cuisiner. Tu parlais du rougail saucisse tout à l'heure. À La Réunion, si on tape rougail saucisse sur Internet, c'est la première chose qui arrive. Hein, oui, parce ça, c'est clair. C'est le plat emblématique de l'île. Bouge pas, Jean-Claude. Jean-Claude, bouge pas. Nous allons faire un petit clin d'œil au partenaire et je reviens avec toi directement. D'accord. On va retrouver notre ami Jean-Marc et Shilby. Voilà, on retrouve notre ami Jean-Marc et notre ami Shilby. Mais on a commencé à cuisiner notre ami Jean-Claude qui nous parlait de sa chaîne. Et donc, franchement, honnêtement, Jean-Claude, le parcours est énorme parce qu'on sait que d'avoir une télé, de monter une télé, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, alors, ce que j'aimerais que tu me parles, Jean-Claude, parle-nous un petit peu de l'impact de la télé. Canal Austral. Alors, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que Canal Austral n'est pas seulement diffusé à l'île de La Réunion, elle est bien entendu diffusée dans toute la zone océan Indien, l'île Maurice, Madagascar, surtout qui est là, une grande île, hein, une fois et demie la France, hein, oui. Et qui est à 1000 km de chez nous, et puis les îles Mayotte qui se trouvent dans le canal de Mozambique, hein, notre ami Achille connaît bien le canal de Mozambique qui juxte l'Afrique, Seychelles aussi, les îles Seychelles. Et là, c'est une exclusivité à partir du 21 juin, on va être au Togo et au Sénégal via un diffuseur privé où on a signé la semaine dernière. Voilà. Donc, on va y un petit peu toute la zone océan Indien, on va aller un petit peu jusqu'à l'Afrique aussi. Alors, tu vois, Jean-Claude, là, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et surtout, ce que je voulais, c'est que tu puisses nous dire un petit peu où est-ce que tu es positionné, toi, par rapport aux autres télés de La Réunion. Parce que tu nous disais, comme vous étiez quand même vu déjà à Madagascar, avec un nombre assez impressionnant quand même par jour de personnes quand même. Ouais, effectivement, parce qu'à La Réunion, sur à peu près 320, 340 000 personnes qui regardent la télé quotidiennement, on a tous les soirs autour de 140 000 personnes, ce qui fait que on a presque un réunionnais tous les jours et tous les soirs surtout, puisque à 20h, c'est le prime time, hein. C'est les émissions de cuisine, bien entendu, qui réunissent tout ça. Et donc, du coup, on a 140 000 téléspectateurs tous les soirs. Et puis, après, bien entendu, la musique, parce que tu sais, t'es venu chez nous, hein, donc tu sais que nous, une particularité chez nous à la télé, c'est que ne fait pas du playback. Hein. Tout est en live chez nous. Hein. C'est vrai, j'ai vu. Chaque émission, chaque artiste qui vient. Hier, on a fait du zouk avec un jeune artiste de chez nous qui s'appelle Fano, d'ailleurs, et qui fait du zouk ici. Je l'ai accompagné à la guitare. On était tous les deux seulement avec un petit percussionniste. Hein, et on a fait de la super musique. Je vous enverrai bientôt, de toute façon, hein, ces petites lives comme ça tous les semaines. Tu vas nous rappeler, tu nous rappelleras de toute façon le lien. Oui. Patrick, j'aimerais que les internautes interviennent un petit peu des questions à poser Alors on a Barbara Ramassami qui est là. Barbara Ramassami, Céline Malindo, nous avons Clément Chris, nous avons Sylviane Piron aussi qui est là avec nous. Alors elle dit, c'est bon, comment il est La Réunion? Voilà, donc ça, je crois La Réunion, elle est là. La Réunion, elle est là, voilà. Et Céline, voilà, je l'ai dit, A.A.O. Lei Liang. Voilà, c'est une île en or et en plus la Zik, le Sega, je suis fan. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, Douce Mamounette, coucou, voilà. Donc on a toutes les personnes. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas aussi à participer à cette émission. Christian Nara aussi, hello l'équipe, vous allez bien? Big Fox, je vous regarde. Voilà, Gilberto, José da Silva aussi qui est là. Donc on a un peu des gens un peu partout, hein, du Brésil, tout ça un peu partout qui nous regardent. Patrick, j'aimerais que votre ami Shilby puisse pouvoir poser une question à notre ami, parce que je trouve ça super bien de voir l'Afrique et La Réunion, deux ma pipi ensemble. Shilby, qu'est-ce que ça te fait de voir rencontrer un confrère à toi à La Réunion, face de toi, vous êtes là ensemble, deux partenaires là. Ça te fait quoi je vais m'étonner un petit peu sur ça. Alors, je pense que Shilby a un petit problème de connexion parce qu'il reste un petit peu figé. Donc, je ne sais pas s'il va bien entendre ta question. Mais bon, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, quand sa connexion sera rétablie,
on va pouvoir revenir vers lui. On va toujours. On va toujours s'occuper. Ouais, donc il a. Ça va chez lui? Voilà, donc voilà. Allez, tu m'entends? On t'entend. Ouais, donc... Oui, j'entends. Alors, je te repose la question. J'aimerais que tu puisses échanger avec un petit peu avec ce correspondant. Ces deux partenaires, lui, le Sénégien, toi, le continent africain. Quel regard tu portes justement? Vous êtes deux fardeurs de Latine. Quel regard tu portes justement notre nouveau partenaire avec nous? Et en plus de ça, il sera bientôt au Togo. Quel regard tu portes de nouveau sur cet échange-là? Ouais, donc je pense que chez lui. Ben, écoute, je t'ai déconnecté entre temps. Vous m'entendez? Il a quelques soucis de connexion. Vous m'entendez? On t'entend, chez lui. Alors, je dis que j'étais déconnecté entre temps, mais j'ai suivi un peu, bon, avec le bout de son intervention. Alors, d'abord, félicitations pour le boulot abattu. Parce que ça fait 3 ans que nous sommes sur notre télévision, nous savons ce que c'est. Oui, donc ça bug un petit peu hein, de ton côté. Avoir une couverture. Ça bug un petit peu de ton côté, Shilby. Hein. Ouais. Donc, Shilby, on va revenir vers toi. On va revenir vers toi, on a des questions, t'inquiète pas, on va revenir vers toi, on a des questions pour notre ami Jean-Claude. Comment fais-tu, Jean-Claude, la question de Sylviane Perron, comment fait-il pour gérer une télé de cette envergure? Non, mais je ne suis pas tout seul, bien entendu. Hein. J'ai une équipe avec moi et j'ai une équipe qui est composée des gens de l'océan Indien. Par exemple, là qu'on se parle, nous, la chaîne est 24 heures sur 24 et c'est l'équipe de Madagascar, Tananarive, la capitale de Madagascar, donc qui a repris le relais là et donc qui gère la chaîne avec une gestion de playlist ce soir. Hein. On n'a pas de direct ce soir, on est tranquille hein, après 22 heures. Hein. Donc, c'est l'équipe de Madagascar. Sinon, on a des gens qui sont un petit peu dans toutes les îles de l'océan Indien et donc qui relient tout ça. Et à La Réunion, on a une bonne équipe. Hein. D'ailleurs, on a une équipe à La Réunion avec un ingénieur son. Je fais un petit coucou à Richard Bazzi, qui est notre ingénieur son. Ça fait 13 ans qu'il est avec moi aujourd'hui et qui est là 24 heures sur 24 avec nous et qui assure tout le côté son de Canal Austral. Et c'est quelqu'un qui a aussi l'oreille parfaite. Donc, du coup, parce que une petite particularité, et ça tu le sais, Patrick, c'est que pour être et travailler sur Canal Austral, il faut être musicien ou chanteur ou artiste, mais en tout cas, il faut être artiste. Ça, c'est la condition sine qua non pour travailler chez nous. Voilà. Donc, du coup, tout le monde est musicien. Et puis, tu sais qu'entre nous, entre les musiciens, les artistes, moi-même, je suis guitariste, bassiste, pianiste, je joue un petit peu de tout. D'ailleurs, j'accompagne tout le monde qui arrive dans des lives, dans des bœufs que l'on fait chez nous. Hein. Et donc, du coup, on est une famille d'artistes chez nous sur Canal Austral. Bon, Jean-Claude. Justement, tu parles de musicien. Je voudrais que tu puisses nous présenter l'artiste qui va de La Réunion, qui va bientôt chanter pour nous. Comment il s'appelle? C'est qui? Il fait quoi? Il mange quoi? Alors il mange pas beaucoup. Hein. Il a bien maigri entre temps. Mais disons que Gabi Laïcune, hein, c'est une figure emblématique de l'île de La Réunion. C'est ce qu'on peut appeler des dinosaures de la chanson chez nous. Tout le monde le connaît ici, bien entendu. Hein. Et il a vécu presque 40 ans en France, hein, à Paris d'ailleurs, Patrick. Hein. Et quand il était à Paris, il était aussi connu que quand il était à La Réunion ici. Même quand là-bas, à Paris, ici à La Réunion, on écoutait ses chansons, donc on l'a toujours suivi. C'est un monsieur qui fait partie des grands de La Réunion et il fait du Sega, mais il fait quelque chose que malheureusement moi je déplore un petit peu, c'est qu'il fait du slow et aujourd'hui plus personne ne fait des slow chez nous. Hein, vous, alors, chez vous, peut-être, il y a le Zouk Love, il y a tout ça, on peut danser à deux, mais chez nous, on ne peut plus. Alors, lui, il fait encore ça, ce type de musique-là. Et c'est pour ça que quand Jean-Marc m'a parlé d'un clip, je me suis dit que c'était le moment de faire découvrir qu'ici, à La Réunion, on ne fait pas seulement du Maloya, on ne fait pas seulement du Sega, mais aussi on fait du Zouk, bien entendu, mais aussi on fait du...
je sais pas, j'ai dû appuyer sur quelque chose là. Oui, là, on te voit disparaître. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Jean-Claude, tu auras le temps de revenir. On fait aussi du slow et donc on peut le revoir tout de suite là. Il n'y a pas de souci. On découvre le clip de Gaby Lincoln, Tu ne sauras jamais. Alors voilà, c'est une très belle chanson de cet artiste. Très beau slow. Vraiment un slow. Voilà, donc, on a dansé beaucoup là-dessus, donc on est un petit peu plus jeune. Voilà. Et toi, alors Sylvie, maintenant qu'on t'a, on va pas te lâcher. Hein. La connexion et la connexion est là. Et donc Jean-Marc te disait, comment tu peu que tu as pu entendre le parcours de Jean-Claude, du fait qu'il ait une télé. Vous êtes confrères tous les deux. Donc qu'est-ce que toi tu avais à lui dire en fait? Ben déjà, toutes mes félicitations, parce que en,
Nous sommes à notre troisième année. Et vu le parcours effectué, parce que c'est, la télé, c'est tout autre chose. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Super. Ah, d'accord. Vas-y. Voilà. Donc, Julie, je disais que vraiment, toutes mes félicitations pour ce magnifique parcours. Voilà. Alors, moi, je voudrais d'abord poser une question. Est-ce que la télé, c'est une télé généraliste ou c'est typiquement musical? C'est thématique, c'est le c'est thématique. C'est thématique. Trois thématiques. Trois thématiques. Okay. Thématiques. Musique, cuisine okay. Et culture. À musique, culture et culture. Ok, d'accord. Voilà, tu vois, on sent les hommes de télé, là. Hein. Là, c'est quoi, ta thématique ça... on est déjà perdu, nous. Hein. D'accord, ok. Alors, bon, chez nous, c'est une télévision généraliste. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de sport et divertissement également. Voilà, donc, Alors, ne dis pas tout, Achille. On va arriver sur... T'inquiète, on va te cuisiner aussi. Ne t'inquiète pas. Oui. Là, tu dévoiles tout. On va arriver sur toi, ne t'inquiète pas. Ce qu'on voulait avoir, c'était un petit peu créer la connexion entre toi et Jean-Claude. Mais vraiment, c'est une belle idée, c'est une belle initiative de venir sur l'Afrique. Je vois que de l'autre côté, c'est bon. Venir sur l'Afrique, sur deux pays, sur le Togo, et puis ben, on essaiera de voir comment on pourra peut-être travailler ensemble, voilà, pourquoi pas, voilà, donc avoir des contenus tu sais, qu'on appelle sa thématique culture, culturelle, ça avec musique ou même cuisine, ça va nous intéresser, et pour faire des changes de programme, pourquoi pas. Effectivement, ouais. Eh bien écoutez, là en fait on peut maintenant... Tu as parlé d'Afrique justement, Achille, par rapport au Togo. Donc voilà, comme quoi, même si on a l'île de la Réunion, on a quand même la volonté de pouvoir, Jean-Claude, tu as la volonté de pouvoir ouvrir un petit peu et de proposer votre programme à d'autres pays, en fait, tout simplement. C'est ça. Bien sûr, il y a un dicton qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc au moins comme ça, on va bon, donc tu récupères, au moins. Voilà. Jean-Marc, tu voulais me dire quelque chose? Patrick, je pense qu'il faudrait qu'on puisse retrouver notre ami Toto, Patrick. Alors oui, alors je suis avec la technique en même temps, donc il a des petits problèmes lui aussi de connexion. Il arrive, il part, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est. Donc j'attends que notre technicien nous dise si notre ami... Ah ben voilà, il nous dit que c'est bon, donc on peut lancer donc notre rubrique en fait qui va... On va partir du côté du Togo avec l'animateur artiste Toto Patrick qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe là-bas au Togo. Voilà, nous avons notre ami Toto Patrick qui est là présent. Bienvenue à toi, Toto Patrick, dans cette émission, la Team Zouk International. Tu te trouves au Togo et tu as des choses à nous dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Toto. Bonsoir Toto. Ça va, ça se passe tranquille ici. Ça se passe tranquille ici depuis 2-3 semaines déjà. Ça parle que Zouk, ça parle que Team International Zouk, ça parle que concours Zouké. Et Toto, depuis un moment, nous sommes... Toto, bon, excuse-moi, avant de nous parler du concours de Zouké, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de ton clip qui est sorti. Quel impact ça a eu pour toi, pour nous, en ce qui nous concerne? On a fait le travail sur les Antilles. C'est bien diffusé. Quel impact que tu as, les retombées que tu as sur la sortie de ton clip, la promo? Oui, par rapport au clip, la diffusion, je tiens quand même à vous dire merci parce que j'ai des retours du côté des Antilles. Et j'ai des gens qui me parlent tout le temps de la diffusion, le clip qui passe de l'autre côté. Et moi aussi, de mon côté, ici, je fais de mon mieux pour pouvoir faire passer le clip ici chez moi au Togo. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais les semaines à venir, je crois que ça va. Alors justement, Toto, on aimerait que tu puisses nous parler en fait de ce concours après ton clip, de ton clip que l'on va voir hein, de toute façon. Hein. On va le voir tout à l'heure. On va voir de toute façon. Hein. Alors, on va le voir tout à l'heure. Non, ça c'est la joie du direct. Sylvie et Jean-Claude, vous devez connaître la joie du direct. Vous devez connaître la joie du direct. Donc là, on a. Quand je parle, je m'entends par deux fois.
Et donc, voilà, ok, super. Et donc, alors en fait, Toto, je voudrais que tu puisses nous parler du concours Zouké. Alors, c'est un concours que Jean-Marc, c'est à l'initiative de Jean-Marc, qui tourne autour du titre Décaléo et aussi du titre Chéri Bondoé. Et donc, c'est un concours qui initie à la danse, évidemment. Hein, c'est un concours de danse. Et ça démarre au Togo. Donc, j'aimerais que tu puisses nous en dire un petit peu de mots parce que toi, tu es responsable avec Wilfried. Vous êtes tous les deux sur le terrain. Et c'est grâce à vous si on arrive à pouvoir organiser ce concours. La communication autour de ce concours Zouké a commencé il y a à peu près 2 semaines. Tout se passe très bien. Les gens sont intéressés. La communication continue. Même aujourd'hui, on a fait de radio. Et lundi, on va continuer. Les gens s'intéressent à ce concours Zouké-là. Et je vais vous dire tout de suite qu'avec ce concours, le titre Décaléo est aujourd'hui sur presque toutes les radios à Lomé. Parce qu'à chaque fois que nous intervenons, moi et Wilfried, on demande, ouais, écoute, c'est une belle chanson, moi aussi je vais chanter, moi aussi je vais danser, est-ce qu'on peut participer, est-ce que c'est permis que tout le monde puisse danser, on dit c'est un concours, participer, et moi c'est une joie pour moi qu'aujourd'hui on parle encore du souk à travers ce concours-là. Je voudrais te poser une question. La télé de Jean-Claude Coindin, Canal Austral, va arriver au Togo incessamment sous peu. Donc toi, comment tu reçois cette information? Donc je ne vais pas dire que la télé Street TV de Chilby, tu passes toi dans au moins, je crois, 53 pays d'Afrique. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais Canal Austral arrive en Afrique au Togo. Toi, quelle est ton impression par rapport à ça? Qui vit au Togo. Oui, je l'ai entendu parler de ça tout à l'heure. C'est une très grande joie pour moi qu'une télé des Antilles puisse arriver. De l'île de la Réunion, ok. Il y a la télé de Chilby, 3 TV, qui passe déjà ici au Togo, qu'on regarde tous. Et. Félicitations à Jean-Claude, on l'attend. Voilà, alors la date est réservée, c'est le 21 juin via une société de diffusion qui s'appelle Action. Voilà, tout est dit. C'est choisi bien pour la fête de la musique. Voilà, exactement. Voilà, parfait. Le clip passe aussi à La Réunion parce que notre partenaire, la team qui est Jean-Claude Coindin, il a joué le jeu et le clip passe aussi sur le Canal Austral. Voilà, donc, c'est diffusé dans toute la zone océan Indien. Voilà. Donc, voilà, tu as coupé ton micro. Hein, donc, voilà, ok. Voilà. Donc, je vous informe également que Décaléo passe déjà sur 2 chaînes de télé ici, la télévision 2e et la TV7. Décaléo passe déjà sur ces 2 chaînes-là. Eh bien, en tout cas, merci Toto pour ton intervention, on te remercie. Nous allons faire un clin d'œil aux partenaires et nous revenons dans l'émission La Team Zouk International. Ne bougez pas. Alors, donc, on va, mon cher Toto, regarder ton clip Chéri Bondoé, voilà, qui est sorti pas très longtemps. Oui. Patrick, je voudrais dire à Toto, ton clip est magnifique, c'est un clip qui passe en Martinique. Je peux te le confirmer, ça passe à Martinique via TV, ça passe aussi sur Zouk TV, et ça passe aussi sur KMT, les télés ont bien accueilli, et aussi ça passe aussi en Guadeloupe sur Canal 10. C'est-à-dire que le réseau, la Team Zouk International fait le travail, tout le réseau fait en sorte que ton clip est très bien perçu, et nous sommes très très contents. Si me venene je t'aime chéri Bondoé, chéri Nelly, Olingo Nakai, chéri Bondoé, chéri Nelly, Olingo Nakai, chéri Bondoé, chéri Nelly, Olingo Nakai, chéri Bondoé,
de toi, Coco. Je veux te voir, bébé. On dit la mort, oh, chérie, oh. Ce chant pour te dire combien je t'aime. Oui, Patrick. Super, oui, super clip de Toto Patrick, vraiment tourné au Togo, justement. Donc, ouais. De très belles images. Donc, on a aussi les internautes. On a Thierry Salah aussi qui est là. Good job, Toto Patrick. On a aussi Mali Terine. Coucou. Alors, super, monsieur Toto Patrick. C'est Frédéric Bonani qui nous dit ça. Il y a Mireille Bracciano aussi qui est connectée. Mirella Morgent, trop bien ce titre. Bon voilà, bon, on a Sylviane Perron, totalement efficace les images comme il faut. Enfin bon voilà, donc il y a de très bons retours, en tout cas des internautes. N'hésitez pas, internautes, de poser des questions aussi qui vont apparaître aussi à l'écran. Totalement efficace les images, on a vu ça de Sylviane Perron. Alors, donc on a. Alors Patrick, oui. Patrick, moi j'aimerais venir vers notre ami Chidbi. Oui. Chidbi. Franchement, je suis très content de te voir avec nous aujourd'hui. Et content parce que tu fais un travail formidable pour nous, dans notre musique. Et tu nous accompagnes pour tous nos projets. Déjà, je te dis merci beaucoup. Et, okay. Et avant de ça, avant qu'on commence à parler avec toi, j'aimerais que tu me présentes une artiste de chez toi. Elle s'appelle Tania, c'est ça? C'est ça. Je parle d'elle un petit peu avant de lancer le clip, si possible. Ben, Tania, c'est une jeune artiste burkinabé que l'on vient de découvrir il y a à peine 2 ans, qui est sortie, mais qui cartonne fort, c'est sur les médias, sur la radio, sur la télé. Ben, elle cartonne, franchement, elle a une très belle voix, une présence scénique pour les spectacles, et des textes bien enlevés. C'est vraiment la révélation de l'année 2000, quoi. Voilà, donc, elle a des titres qui parlent aux jeunes. Et voilà, le rythme,
elle fait de la musique, la danse africaine, elle fait un peu de mélange propre Nigeria, Burkinabé, elle fait également. En fait, c'est vraiment un cocktail de rythme qu'elle a, et elle a son secret, et puis ça fait qu'elle emballe. Achille, là, tu nous mets l'eau à la bouche, là. Là, il faut juste qu'on regarde le clip, en fait. Ah ouais. Parce que là, tu nous parles, tu nous vends le projet, là, en fait. T'es pas un bon vendeur. T'es un vrai vendeur, hein. Jean-Claude, je crois que tu pourrais même. Bon, il est pas réunionnais. Mais je pourrais même l'embaucher pour vendre des maisons ici à La Réunion, parce que tu sais que. Voilà. Non, mais tu as vu comment il nous a vendu le projet. Moi, je suis là, je dis, c'est quoi le truc? Bon, allez, mon ami Shilby, je crois qu'on va regarder le clip, hein, parce qu'on s'impatiente tous. Allez, c'est parti pour Tania, My Lover. Bam, 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 when I say I love you, yeah, nobody can stop that love for you, yeah. When I say I need you, nobody can stop that need for you, yeah, my love. I'm love, I'm number one. I'm yeah, my yeah, for love, 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 love. Gonna shake you, bam, 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 for your fever. When I say I love you, ce que je veux tu le fais, ce que je sens tu le sais. Oh my baby, baby boy, baby boy, baby boy, oh, y'a voilà. Full of my love, I'm number one. Oh, yeah. I'm yeah, my yeah, full of love, 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 love. Gonna shake it, bam, 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 for your fever. Titre de Tania avec My Lover, donc c'était Tania avec son titre My Lover. Elle est très mignonne. Voilà, hein, et c'est vraiment très coloré. Hein. Je comprends que tu l'aies vendu, hein, Shilby. Hein. Il y a des super réalisateurs là-bas au Togo. Alors, ouais. Au Burkina, ça c'est au Burkina. Au Burkina Faso. Bon, ouais. Tu vois, Jean-Claude, là, tu vois, là, t'as vu, hein, au Togo, t'as vu, c'est ça la Tizouk internationale, Jean-Claude. Ça va au Burkina, ça va au Togo, ça bouge, ça va à La Réunion. On se perd, on est dans le monde, en fait, c'est ça. En tout cas, Achille, tu as très bien vendu Tania. Donc, c'est un clip qui a été réalisé au Burkina Faso. Franchement, les couleurs sont nickel. Franchement, c'est super bien réalisé. Mais Patrick, ça ne va pas t'étonner parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on a fait un clip. On a fait un clip au Burkina. Absolument. Ah ouais, on avait fait un clip de jour comme de nuit. Ouais. Si elle veut être diffusée chez nous, on est preneurs. Hein.
Ah, ben, voilà. D'accord. Vous êtes chez nous en entrepreneur, pas de problème. Hein. D'accord, voilà. Ça marche. Okay. Eh ben super. Eh ben voilà. C'est ça la connexion, voilà. C'est ça justement. Et vraiment, c'est excellent, ouais. C'est vraiment super. Vous faites du super travail. En alors, tout cas, dorénavant, ce sera comme ça de l'émission. Il y aura des clips de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de l'Afrique. Alors, Jean-Marc, nous avons aussi des internautes. Oui, tu disais chimie. Je voulais dire que c'est super parce que c'est intéressant parce que bon, c'est ça qui est bien vu en échange culturel, c'est sûr, quoi. Voilà. C'est le but de cette émission, c'est de pouvoir faire cet échange culturel. Alors on a Barbara Ramassani. Attends, deux secondes. Je tiens à remercier quand même l'idée. L'idée, c'est, je comprenais, on a discuté longuement et on a dit, ok, d'accord, on a bougé l'émission, on a changé. Et c'est pour nous, effectivement, c'est un vrai échange. Et c'est ça la force de la Team Zouk International. C'est vraiment la Team Zouk International. Merci beaucoup. Alors, pour te rejoindre, Jean-Marc, tu as Barbara Ramassami qui dit bravo à vous, Unity for Zouk, pour ce que vous faites et d'ouvrir les portes à toutes les cultures musicales qui, parfois, sont oubliées. Hein, Jean-Claude, tu nous as sorti un slow. Et vraiment, bon, voilà, ben voilà, on l'a, voilà, bravo à vous, voilà. Beau concept et bien réfléchi. En tout cas, comme l'a dit Jean-Marc, merci Jean-Claude, parce que c'est une discussion qui a apporté cette idée entre toi et Jean-Marc de pouvoir ouvrir et d'apporter, Pat Biman qui dit « J'ai adoré le clip de Tania ». Comme quoi, hein, si on ne fait pas découvrir les choses. Donc, en tout cas, merci Achille, merci encore Jean-Claude d'être là avec nous. Achille, ce n'est pas terminé, donc tu as commencé… je t'ai connu déjà, bon, ça fait longtemps que je te connais déjà en tant qu'artiste, en tant que producteur déjà, parce que c'est toi qui me faisais venir au Burkina Faso pour chanter évidemment. Et tu avais, et je pense que tu as toujours cette boîte qui s'appelle Tam Tam Productions. Et c'était à travers Tam Tam Productions que tu faisais ces événementiels-là. Donc raconte-nous un petit peu comment tu procédais et de manière à ce que tu. Et ton parcours qui est fait que tu sois arrivé à Street TV aujourd'hui. D'accord. Je dirais que Tam Tam Productions, c'est plus de 20 ans. C'est une structure qui faisait au départ de l'événementiel. Voilà. Donc, je faisais tourner les artistes, notamment surtout les artistes entiers. Et puis après, j'ai commencé par cette structure Tam Tam Productions à produire des artistes locaux. Voilà. Donc, Tam Tam, c'est 20 ans de production audiovisuelle. Et aujourd'hui, Tam Tam fait beaucoup plus la production audiovisuelle, c'est-à-dire que des clips, des sitcoms, la publicité, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et tu as une radio aussi. En arrière pour dire qu'il y a bien parmi ceux-là qu'on a fait. Oui, il y a la radio, ouais, parce que bon, en fait, comme on dit, la communication à 180 degrés. Et voilà, même si c'est à 120 degrés, à 160 degrés, il faut avoir la radio, il faut avoir tout un réseau de production, il faut avoir la radio, il faut avoir la télé. Voilà, donc j'ai la télé, j'ai la radio, et puis un réseau d'affichage. Je reviens dans la vie de la radio. En tout cas, c'est pour ça qu'on a décidé de vous réunir tous les deux. Oui, Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je vois Jean-Claude regarde. Jean-Claude, il regarde Sylvie. Jean-Claude, je vois que tu as envie de poser une question à Sylvie. Tu peux y aller, vas-y. Oui. Alors, j'aurais aimé lui demander parce que tu sais que quand on est patron d'une chaîne de télévision comme ça, on a du mal à joindre les deux bouts. Nous, on a fait le souhait de ne pas être subventionné par qui que ce soit à La Réunion, de vraiment être autonome pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans pour autant être chapeauté par des politiques ou des gens qui nous subventionnent et qui voudraient vraiment que l'on soit dirigé. Comment faites-vous là-bas en Afrique pour pouvoir vivre de la télévision comme ça? Ben, je dirais que nous avons la même réalité, hein, parce que Trout TV ici, je suis le seul actionnaire, je suis le promoteur de cette télé. Ça fait 3 ans que nous avons démarré. Nous vivons que de la publicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, c'est l'audience. Il faut créer l'audience autour de ton programme, d'acquérir des programmes. Donc, c'est dans l'information, c'est dans la culture, c'est dans le divertissement. Alors, donc, au niveau de l'information, nous sommes arrivés en si peu de temps, 3 ans, parce qu'il y a au moins 4-5 grosses chaînes de télévision privées
Et puis, il y a la télévision mère qui est là. Mais nous sommes avec, en moins de 3 ans, nous avons travaillé à nous positionner parmi les 3 premières télés. Et nous bénéficions également des couvertures médiatiques qui nous permettent quand même de faire un peu de la théorie. En plus de cela, les contenus. Si tu as un programme qui t'offre de l'audience, et quand c'est suivi, et tout ce qui est commercial, les gens viennent diffuser des sports parce qu'on a des tranches de diffusion de sports à nos prime time. Nous avons pu créer, moi, ce 3 prime time au cours de la journée, parce que c'est une télé qui tourne 24/24 également. Donc, il peut nous permettre quand même d'annoncer les diffusions de sports publicitaires. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc, on est autonome. En information, on dit ce que. Ça fait un peu mal. Ouais, chez lui, ça bug voilà. Un petit peu. Ouais, ouais, ça va? Ça bug un petit peu. Moi, j'ai envie de dire à Achille qu'on a les mêmes problématiques, mais tu sais que l'argent ne fait pas tout. Donc, du coup, par exemple, ici à La Réunion, nous, on côtoie des chaînes de télé, par exemple, la télé nationale, ici à La Réunion, hein, pour ne pas le citer, Réunion Première, qui a un budget à peu près autour de 4 millions d'euros par mois, alors que nous, à peine si on arrive à 20 000 euros, 25 000 euros de dépenses tous les mois, alors qu'on fait plus d'audimat qu'eux. C'est parce qu'on a des thématiques et on a cette volonté de faire des choses que peut-être les autres le font de façon commerciale alors que nous on le fait à cœur ouvert. Donc c'est pour ça aussi que qu'une chaîne de télé fonctionne, il faut pas que ça fonctionne seulement avec le commercial, mais il faut aussi que ça fonctionne avec le cœur. Et c'est pour ça que Canal Austral, nous on a décidé de fonctionner chez nous avec le cœur, et ça fonctionne parce que depuis 10 ans, 13 ans qu'on est ici à La Réunion, et donc on fonctionne de cette façon là et on voit que ça marche, puisque tous les ans, on gagne des auditeurs qui nous rejoignent. On avait ici à La Réunion dit que c'était une télé seulement pour les Réunionnais, mais on voit aussi que c'est plus seulement les Réunionnais qui nous regardent, mais beaucoup des personnes de la zone océan Indien. Et même ici à La Réunion, c'est aussi les gens, les personnes, les expatriés, les Français. C'est pas péjoratif, mais les oreilles, comme on les appelle, hein, qui viennent chez nous, hein, c'est pas péjoratif du tout, hein, ce mot-là. Hein, et ben, eux aussi commencent à participer à la télévision, à se rendre compte que la culture réunionnaise est importante, et donc la télé fonctionne comme ça. Voilà. Super, super. Patrick, tu as des réactions? Est-ce que moi, j'ai vu que James avait mis. Alors. Bon, alors, si on s'entend... Allô? Oui, alors tu as Mireille Bracciano qui dit la musique au-delà des frontières. Il faut ce partage entre les cultures. Donc c'est ça, c'est le but encore de cette émission encore. Donc on a encore... on a encore... Alors, François Serroque, bravo. Erweton Ferreira aussi, c'est le Brésil, j'imagine. Hubert Mitram, bonsoir à vous tous. Coucou, Pat. Bon, ça, c'est le pater. Hervé Laverne, bonsoir les frères et sœurs du monde. Bon week-end. Donc voilà, on a des personnes comme ça qui nous suivent, en tout cas. Encore merci. N'hésitez pas à poser des questions. J'avais profité pendant que j'ai ces deux messieurs-là avec nous. La Team Zouk International, notre but, c'est de porter des projets d'envergure. Quand je vous vois tous les deux là, il faudrait que la team, qu'on puisse porter un projet avec Chibi et Jean-Claude Bonnet, pour qu'on puisse encore faire montrer notre force. C'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, Jean-Claude, tu réponds après, Chibi.
Oui, bien sûr, faire connaître le zouk ici à La Réunion, parce que c'est vraiment une thématique que les Réunionnais adorent. Hein, donc, c'est important pour nous de diffuser du zouk. D'ailleurs, on a, quand Patrick André est arrivé chez nous il y a une dizaine d'années de cela, on faisait déjà du zouk, mais pas beaucoup. De plus en plus, on en fait. Aujourd'hui, on a une thématique chez nous aux alentours de 10 à 15% de zouk dans la journée, ce qui est énorme dans la programmation de Canal Austral. Hein. Donc, du coup, on joue le jeu, hein, et on joue le jeu parce qu'on aime ça, parce que le zouk fait partie aussi de la musique, une musique qui nous ressemble un petit peu, parce que c'est une musique soleil aussi, une musique d'ambiance, une musique oui. Quand on écoute, on a envie de sourire, on a envie de bouger, on a envie de se lever et puis d'aller danser. Hein. Et ben, cette musique comme ça, en tout cas, nous, on ne peut pas s'en passer ici. C'est pour ça qu'on suivra la Zouk internationale volontairement. Voilà. Super. Sylvie. Oui. Alors, je dirais la même chose que notre ami Jean-Claude, parce que le zouk en Afrique, c'est depuis plus de 30 ans, 40 ans qu'on aime bien le qu'on appelle la musique antillaise, notamment qu'on appelle notamment le zouk. Alors, mais la difficulté, c'est la disponibilité des clips hein, et puis des chansons. Voilà. Donc, généralement, sur la télé, et Jean-Claude me le dit, lorsque c'est déjà signé, bon, c'est difficile pour nous de voir la télé diffusée. Il faut avoir une possibilité de qu'on appelle ça de ne pas parvenir avec un équipe. Et puis, pour que l'on puisse faire le titrage, qu'on appelle ça avec nos chats, pour qu'on ait pouvoir diffuser. Donc, à ce niveau, si et qu'on appelle ça la Team Zouk, pour peut-être être ambassadeur de cela, ou peut-être trouver un moyen, peut-être qu'on appelle ça de nous faire parvenir l'équipe, je pense que ça va beaucoup nous aider dans la. Dans la promotion qu'on a de la musique, parce qu'il y a eu un temps où c'était vraiment le top, où on faisait tourner, et presque, moi j'en ai fait venir plus d'une trentaine de d'artistes antillais qu'on a fait au Burkina, voilà, donc que ça soit la vieille génération avec, permettez-moi l'expression, avec Hervé Virigal ou même comment il s'appelle encore? Jackie Rapon. Oui, mais Jackie va te dire qu'il n'est pas de la vieille génération. Hein. Ouais, là, tu vas voir les poudres de Jackie, là. Hein. je veux parler de... Non, pas de Tereka, Tereka est encore jeune, là. Non, oui, non, oui. Voilà, bref, voilà, donc, pour dire que... Juste après Patrick André Mitram, après les Jean-Luc Rosier et Jim Ramassamé, Darius Zenon et voilà, Jean-Michel Rotin. Bon, le zouk est un peu perdu un peu qu'on appelle ça son. Alors, tu sais, je suis lui. Oui. Moi, je sais que tu nous as demandé, Patrick André et moi, de te faire une émission Zouk. Oui, oui. Et qu'on t'a dit qu'on prépare cette émission pour toi. Oui. Et comme ça, on fera en sorte pour pouvoir, la team Zouk a une émission, pouvoir faire la promotion de cette émission. Comme l'idée est là pour faire une émission musicale et qui ira très bien aussi bien sur Canal Escral, chez toi. On prépare cette émission pour vous. Et quand on sera prêt, ce sera fait en sorte pour redonner une dimension. Voilà. Oui, parce que ce n'est pas seulement que diffuser les clips, mais ça serait intéressant de parler des artistes qu'on appelle l'actualité. Voilà, ça c'est important. Ils aiment bien ça. Ils aiment plus les artistes. Ils aiment plus. Voilà. Jean-Marc, si tu le permets, je veux revenir un petit coup sur ce que Achille a dit tout à l'heure, c'était que pour recevoir des clips et pour les diffuser, hein, on est bien entendu, on ne peut pas les piquer sur YouTube, par exemple, c'est interdit, hein, donc les chaînes de télé ne peuvent pas le faire. On est quand même surveillé par nous à la Réunion, on est français, donc du coup, on est surveillé par le CSA, hein, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hein, qui nous surveille et qui veulent pas que qu'on va piquer. Et puis même les artistes, c'est pas sérieux. Hein. Donc du coup, on
on attend à ce que c'est les artistes ou les sociétés de production ou les personnes qui ont les ayants droit qui nous envoient les clips pour les diffuser. Sinon, nous, on ne peut pas les diffuser. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a des messages peut-être à passer au niveau des artistes Zouk, des producteurs et puis des gens comme vous, Patrick, Jean-Marc, etc., de nous envoyer ces clips-là parce que dès qu'on les reçoit sous forme d'un mail, pour nous, c'est acceptation. C'est-à-dire qu'on peut les diffuser tranquillement. On a à l'arrière quelque chose qui nous permet une autorisation hein, de le diffuser. Donc, c'est compliqué. Et surtout que c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Bien donc, il n'y a personne qui paye. Donc, du coup, voilà. Alors, pour les gens qui sont français, donc nous, on paye la SACEM, donc ils seront un petit peu rémunérés quelque part. Ouais, mais pour les gens qui sont en Afrique, bon, il n'y a pas de lien entre l'Afrique et la Réunion. Donc, du coup, Jean-Claude, on travaille ça. Alors, je vais rappeler que Jean-Claude Coindin est directeur de Canal Austral, parce que bon, on me demande, oui, mais c'est quelle télé? Alors, donc, comme il n'y a rien qui stipule, donc c'est Canal Austral, c'est bien ça, à l'île de la Réunion. Donc, voilà, je ne sais plus, c'est Jean-Claude Coindin qui est le directeur de la chaîne, puisque Shilby, on voit bien écrit la télé interactive, Sweet TV, Tam Tam Productions et What FM. Mais vous êtes bien, vous, parce que là, vous faites une émission à 14h chez vous. Moi, il est 23h chez voilà, vous. Voilà, il est 23h, donc il n'est pas dans les bureaux. Je suis obligé de rester à la maison, quoi. Donc, je n'ai pas, bon, pas le cadre de Canal Austral. Bon. Jean-Claude, là, on te rejoint à la piscine, là, parce que là, vraiment, derrière le cadre, il est magnifique. Et il fait 28 degrés, là, hein, donc du coup, c'est vraiment idéal. Ouais. Avec deux zourites, là, on est bien. Ma salade de zourites. Qui m'attend dans un. Ouais, qui t'attend là en plus. Octopus pour les gens qui ne savent pas. Je voulais vous dire quelque chose. On vous a entendu et franchement, vous donnez envie de pouvoir travailler. La team internationale va vous proposer une émission musicale pour pouvoir faire la découverte des artistes. Comme ça, vous allez pouvoir donner la place, la chance à d'autres artistes de se faire connaître. OK ? Ça, on vous remercie déjà. Merci bien. D'accord. Pas de souci, on est là à 100%. Vous êtes avec nous dans la Team Zouk International avec Jean-Marc Templet, qui est mon co-animateur, présentateur. Et nous recevons Monsieur Jean-Claude Coindin, qui est le directeur de Canal Austral. Il est à l'île de la Réunion. Et nous avons aussi un autre patron, Achille Dabiré, qui lui est le directeur de Sweet TV, de Tam Tam Productions et de What FM, la radio. Voilà, donc ce sont deux gros... Oui, et qui se trouvent en Afrique, au Burkina Faso, c'est très bien de l'avoir dit. Et nous sommes aussi avec les internautes qui sont là aussi, qui sont en train de parler. Oh là 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 là, oui, ça parle, oui, vous parlez. Vous allez dire qu'on ne vous entend pas, mais si, on vous entend et on est là avec vous. Vraiment très belle piscine pour de vrai. Marie-Françoise qui dit très belle piscine pour de vrai. Donc oui, c'est vrai, on t'envie, Jean-Claude, on t'envie vraiment. On t'envie, nous, on est ici à Paris. Je suis en fond vert là, donc du coup, c'est oh, ouais, coup, super. Pas mal. Fond vert incrustation. Donc, mes amis, nous allons faire un petit tour du côté de la Guyane. Parce que, Jean-Claude, tu as eu la discussion. Oui, Jean-Marc. Ah oui, Achille. Oui, je vois que Sylvain Pierrot est connecté, donc je vais lui faire un petit coucou là. Il n'y a pas de souci, c'est ça le but. Sylvain est connecté. Wow, le début d'un tube, mon coco. Ah oui, bon, voilà, j'ai dit coco, 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 coco. Ça, c'est le début d'un tube qu'elle dit. Donc, on va faire un petit tour du côté de la Guyane. Je disais, Jean-Claude, merci, après avoir discuté avec Jean-Marc. Eh bien, ça nous a permis de changer la charte de cette émission. Oui, coco, 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 animateur. Patrick, je voudrais quand même présenter un coup de cœur de Guyane la première, notre la team qui s'appelle qui porte la team. C'est exactement ce que j'allais faire. Carré, qui est responsable de Guyane la première, oui. Qui nous propose Isa 103. Isa, je t'ai donné ma confiance. Tu m'as fait plus de tort que de bien, ouais. Regarde-toi, t'étale. Oh, ouais. J'ai voulu te voir. Regarde-moi cette fois. Arrête et bloque pas. Encore je me suis fait avoir. Pourtant je pensais te connaître vraiment. Mais ai-je été naïf de tant espérer? Me voilà aujourd'hui.
mais t'as pas honte, mec. Me supplier de te reprendre, venir pleurer dans mes bras. Reste pas là, retourne fumer ton chien. Tu joues le mec parfait qui ne ment jamais. J'ai découvert ton secret. Va-t'en loin s'il te plaît. C'était le clip Isa sans toi qui nous vient de la Guyane. Donc, c'est Rudy Icaré qui est le directeur des programmations à Télé Guyane la première. Voilà. Donc, voilà, on fait le tour d'horizon comme ça, un petit peu partout comme ça. Donc, la prochaine fois, on essaiera d'aller au Brésil, peut-être, pourquoi pas. Oui, oui. Parce que là, on essaie d'ouvrir. Donc, peut-être qu'on ira au Brésil. Il y a des personnes aussi du Brésil qui nous regardent aussi. Donc, on n'a pas eu le temps de leur faire un petit coucou. Mon ami James, tu avais une question à nous soumettre, je parle à notre technicien, qui va, très bonne initiative de Sylviane Perron, comment peut-on procéder pour vous envoyer les clips en fait, hein, parce que vous disiez que vous pouviez recevoir des clips, mais comment peut-on procéder? Achille peut-être? D'accord, je veux peut-être par l'adresse, par oui, transfert par exemple. Tout simplement, on va peut-être leur laisser l'adresse de la télévision. Alors, par le transfert, et puis voilà, là, on le charge, puis bon, voilà, là, ça. Bon, alors, je pense qu'on laissera l'adresse éventuellement. Après, voilà. Voilà, hein, on vous laissera l'adresse, donc, dans le chat. Voilà, donc, l'émission La Team Zouk Internationale, qui n'est pas que centrée sur Jean-Marc Templier et Patrick André, non, qui justement propose cette ouverture. Grâce à Jean-Claude Coindin et puis aussi à Achille Dabiré aussi, Jean-Claude qui est à La Réunion, je le rappelle, il est le directeur de la télé Canal Austral, qui est une grosse télé qui est vraiment dans l'océan Indien, qui va maintenant, waouh, alors là, on a plein de cœurs, plein de trucs, ouais, wow, hey, c'est Sukita Vini, voilà, qui nous a affiché cela, donc voilà, et puis Achille Dabiré qui se trouve au Burkina Faso. En tout cas, messieurs, on va arriver à la fin de cette émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vais remercier déjà tous nos partenaires, toutes les personnes qui sont là avec nous, hein, qui nous suivent et qui diffusent cette émission. Je vais aussi remercier James qui est à la technique, Doriane, nos assistantes Doriane, Marie-Annick et Pat aussi, la communication Mary Colette et Didi Thierry, pardon, voilà. Et Jean-Marc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu as tout dit, hein. Moi, ce que je vais dire, je remercie les internautes qui sont avec nous, et remercie aussi Jean-Claude Gondin, Sylvie, d'être, non seulement d'être membre de la team, qui nous donne vraiment une dimension
pour donner une force à cette musique, notre musique, pas seulement notre musique, mais la musique en général. Et notre but, c'est de partager et c'est de donner une dimension, de faire et montrer que nous sommes ensemble, on peut faire des choses ensemble, de belles choses ensemble. Et vous donner un exemple. Et on vous remercie beaucoup de vraiment d'y croire en ce qu'on fait. Alors Jean-Marc, il y a aussi notre ami Michel Inérol qui n'a pas pu être présent avec nous parce qu'il a quelques petits problèmes de santé, hein, il n'a plus trop de voix, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer, parce que normalement c'est Michel qui présente cette émission, et donc il a fallu qu'on, eh ben, que Jean-Marc et moi fassions du mieux que nous pouvions, donc ouais. On espère avoir été à la hauteur de ces deux poids lourds des médias, en tout cas. Bien. Encore merci à vous, merci Achille Dabiré, Shilby, merci bien. À toi Jean-Claude Poindin. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour le travail que vous faites. Et c'est la team, vous êtes dans la team Zouk International. Donc cette team qui défend. Maintenant, on ouvre. Hein, maintenant, voilà. Donc ça ouvre. On n'y a pas que du Zouk. Hein, on a passé un slow. On a passé la musique de. Alors, Shilby qui va nous rappeler de Tania. Tania. Voilà, c'est bien Tania. Voilà, qui nous a bien vendu Tania. Donc peut-être probablement que tu vas vendre des maisons hein, prochainement à l'île de la Réunion. Il faudrait qu'il vienne chez nous parce que. Non, mais. Il a vendu juste pour la petite parenthèse, tu sais, Achille, que je suis le premier constructeur de maisons à La Réunion, hein, puisque je construis à peu près 150 maisons à La Réunion, donc je suis le numéro 1 à La Réunion. Ça s'appelle Case Créole, hein, la petite pub, hein, pour ça, c'est okay. Case Créole, c'est pas compliqué, hein, Case Créole, donc du coup, le jour où tu viendras, eh ben, tu okay. pourras vendre un petit peu de nos maisons, hein, peut-être non, mais qu'on arrivera là-bas. Non, mais Achille, tu imagines ce qu'est le personnage Jean-Claude Coindin à La Réunion. Les maisons, la télé, voilà, c'est pour ça que le je dis que... Attention, monsieur Coindin, attention, pilote d'avion aussi. Hein. Oui, exactement. Et une casse avec une piscine en arrière. Hein. Pourquoi pas, bien sûr. Ça va dépendre des moyens que tu auras. Hein. En tout cas, ça prouve bien que vous êtes vraiment des gens incontournables pour moi, honnêtement, moi qui suis artiste et Jean-Marc va penser comme moi, vous êtes vraiment des gens incontournables, vous faites partie du paysage, mais monstre, autant Shilby au Burkina Faso, ça fait des années qu'il est là, et toi Jean-Claude, ça fait aussi des années que tu es là, et vous êtes vraiment des gens incontournables des endroits respectifs où vous êtes, et en plus vous avez cette vision qui est mondiale de vous ouvrir et d'aller proposer votre culture à d'autres pays. Et ça, moi, je trouve ça hyper remarquable parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Ça, voilà, en tout cas, messieurs, chapeau bas. En tout cas, merci Patrick, tu parles bien, tu aurais dû faire de la politique un petit peu, peut-être. Ah ouais. je penserai à monter une liste, t'inquiète pas. Je penserai à monter. En tout cas, messieurs, en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité parce que je sais que ce n'est pas facile. Il est un petit peu tard. Chez toi, Jean-Claude. Et puis il est minuit passé, donc du coup. Il est minuit passé, donc merci pour cette disponibilité. Et ça, c'est l'adage des grands hommes. C'est ce qui donne la disponibilité de manière à pouvoir partager et faire partager des choses et partager surtout leurs idées. Merci Achille, merci Jean-Claude, merci à toi Jean-Marc Templé d'avoir créé et d'avoir pensé à monter la Team Zouk International. Sur un réseau social qui permet justement de réunir des médias forts du monde. Patrick, je vais leur dire que très prochainement, on aura le site La Team Zouk International, qu'on va avoir tous les partenaires sur le site, et tous nos projets, nos missions qu'on devra faire ensemble. Et c'est Pat qui est dans la team, qui a préparé ça pour nous. Il y aura de très, très, très belles choses à voir. Merci messieurs. Voilà, l'émission La Team Zouk International arrive à sa fin. On va terminer avec le clip A2, Jean-Marc Templé, Patrick André. Bon, faut bien qu'on se fasse plaisir quand même, nous aussi, quand même, un petit peu. Hein. Ah, bien sûr. C'est parti. Au revoir, messieurs. À une prochaine. Allez, bye bye. Arrêtez ça. Oh, 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 oh
arrive.